Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre mon petit code créateur SM dans la boutique et n'oubliez pas de l'actualiser toutes les 2 semaines. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikoolo Mike et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir débloquer 4 récompenses gratuites sur Fortnite. Alors, déjà, il faudra vous connecter sur le site que je mettrai en description, en commentaire et épinglé. Et regardez, ici, vous avez 4 récompenses. Donc, la première récompense, si je peux cliquer dessus, voilà, c'est ça. C'est une émoticône, ça fait peur. Donc, l'émoticône qui est juste ici. Ensuite, vous avez de l'XP. En deuxième récompense, vous aurez de l'XP. En troisième récompense, vous aurez l'aérosol Poulpeuil. Et en quatrième récompense, vous aurez le revêtement Folie de la Nuit gratuitement sur Fortnite. Alors, pour débloquer ces récompenses, il faudra vous connecter sur le site que j'aurai mis en description, en commentaire épinglé. Ensuite, vous cliquez ici, vous connectez. Donc, ok, je me connecte. Là, ça va me rediriger sur Fortnite. Bon, bah, j'étais déjà connecté, donc tant mieux. Donc, bienvenue SCM. Terminez les tâches de chaque salle de jeu d'évasion Fortnite cauchemar pour obtenir les récompenses dans le jeu. Donc, c'est parti, let's go. Alors, la tâche numéro 1 va vous demander de terminer de... Ah, de pêcher 50 poissons. Voilà, la tâche numéro 1, ça va être de pêcher 50 poissons. Donc là, on peut voir les poissons que j'ai attrapés. 0 sur 30, à mon avis, c'était, ils se sont trompés, c'est 0 sur 50. Donc, il faut savoir que vous allez pouvoir pêcher des poissons dans le mode... les modes de jeu valides sont Fortnite Battle Royale et 0 construction en solo, duo, trio ou section. Aucun autre mode Fortnite n'est compatible, ok? Alors, la mise à jour peut prendre jusqu'à 1 heure après votre dernière partie ou votre dernière demande de statistiques. Donc là, vous faites voir mes statistiques. Donc là, je suppose que à partir de là, vous devez attendre 1 heure pour que ça s'actualise. Ou alors, après la dernière partie que vous aurez fait, vous revenez 1 heure après et normalement, vous aurez vos statistiques qui seront actualisées. Alors ici, donc la tâche numéro 1 va vous demander de pêcher 50 poissons. Ensuite, la tâche numéro 2 va vous demander d'éliminer 10 adversaires. Donc ensuite, la tâche numéro 3 va vous demander de terminer 3 fois une partie parmi les 10 premiers. Donc vous allez devoir faire des top 10 en solo, duo, trio ou section. Donc ensuite, quand vous aurez fini les 3 tâches, vous débloquerez seulement l'émoticône « ça fait peur ». Ensuite, la tâche numéro 2, donc la salle numéro 2, vous aurez d'autres défis à réaliser. Donc là, les défis, ben moi, je ne les vois pas hein, parce que ben voilà, j'ai pas encore fait la tâche numéro 1. Ensuite, il y a la tâche numéro 3, la tâche numéro 4. Donc pour, enfin, la salle numéro 4. Donc pour chaque salle, vous aurez 3 défis, peut-être pas 3 hein, à chaque fois, mais vous aurez des défis à réaliser. Là, pour ouvrir la première porte, il faut faire la les trois tâches. Ensuite, vous aurez une deuxième porte ici, une troisième porte et une quatrième. Et quand vous aurez fini les quatre salles, donc les quatre portes, bah là, vous aurez terminé tous les défis et vous aurez débloqué toutes les récompenses qui sont affichées juste ici. Donc voilà, vous avez 14 jours et 19 heures pour le faire. Ensuite, ce sera trop tard. Donc voilà, si jamais vous voulez essayer ou vous inscrire, ben le lien sera en description, en commentaire épinglé. Et je pense que je vous ai tout dit à propos de cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, ben moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soikoolo Mike et ciao. Peace.